Good morning, allez, Iden, les sœurs aujourd'hui, le Nishmat, Moriva, Bishumel, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Nahouda, Sarah Batrana, Rachel, Shlomo Ben Esther, Richard Batrim, Nechemia, alors les Abad Beila, Shalom Ben Chabiba, ainsi que Nerfoat, Avamori Ben Reout, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Masechet Zerachim, Perikut Bet, Mishnah, Hey. Parim, Anisrafim, Usirim, Anisrafim, Bizman, Shehem, Nisrafim, Kimitzvatan, Nisrafim, Bevet, Haddeshen, ומתמאין בגדים, והם אינן נשרפין כמצוותן, נשרפין בבית הבירה, ואינן מתמאין בגדים. Il y a plusieurs corbanot qui doivent être brûlés entièrement. On les avait appris dans le perek Ezo Mekoman Shel Zvachim. On commençait justement le perek avec Parim Anisrafim ou Seirim Anisrafim. De quoi on parle précisément? Il y a à certaines occasions, en général ça va être toujours des parts, ça veut dire des taureaux ou des séirim, des béliers, que spécifiquement lorsque l'on doit asperger leur sang à l'intérieur du Echal, qu'il s'agisse donc des parts de Yom Kippour, du par Helem Davar Shel Tzibur, par Kohen Mashiach, ou des séir Yom Kippour et séir Avodah Zara. Tous les cinq espèces de korbanot en fait, où l'on asperge le sang dans le Echal ou même dans le Kodesh HaKodashim, à plus forte raison. Donc, là, la Torah a fixé que pour eux, il y a une aspersion très originale. On l'asperge donc sur le tout, sur le Mizbeach HaPnimi, sur le Mizbeach HaZav qui est à l'intérieur du Echal. On asperge sur la Parochet, à Kippour. On asperge même entre les manches du Haron. D'accord ? Pour ces corbanotes-là, la Torah a prescrit d'ouvrir ensuite l'animal, de lui sortir les graisses, les monter sur le Mizbeach, tandis que tout le reste de la viande, on le prend intégralement et on va le brûler. D'accord? La Mishnah maintenant, les deux prochaines Mishnayot vont s'intéresser à nous dire où le brûler est une halakha particulière par rapport à l'impureté qui est véhiculée, comme ce qu'on va le voir tout de suite. Parim anisrafim, usirim anisrafim. Les taureaux qui doivent être brûlés intégralement. Donc il s'agit de Bartanori Apport, par Kohen Mashiach, par Elam Davar Shel Tzibur et par Yom HaKippurim. D'accord, trois fois où on doit trouver un par qu'on asperge le sang à l'intérieur, ou encore au seirim anisrafim, les béliers qui doivent être brûlés, deux espèces de nouveau seirei yom kippour et seirei avodah zara. Pour tous ces cas-là, lorsque c'était fait en tzibour, pour tous ces cas-là, bisman shehem nisrafim kemitzvatan, si toutefois ces korbanot sont brûlés comme ce que la Torah l'impose, c'est-à-dire quand on a accompli toute la mitzvah, comme il se doit, comme ce qu'on va expliquer, bien sûr, d'abord on lit, on traduit. Nisrafin bevet hadeshen, ou metamin begadim. Dans ce cas-là, il faudra aller les brûler au bet hadeshen, au lieu où on brûle tous les restes des korbanot, qui est à l'extérieur des trois machanot, complètement à l'extérieur de Yerushalayim, en fait. D'accord? Et metamin begadim, celui qui va les brûler, va véhiculer une impureté. Tandis que Veimenan Nisrafin ke mitzvatan, s'ils ne sont pas, ils n'ont pas, on ne va pas les brûler comme leur mitzvah le prescrit. Parce qu'en réalité, il y a eu un problème en route. Alors qu'on avait fini même d'asperger le sang, ou oui ou non, ce n'est pas le problème. Il y a eu un problème que la viande, elle est devenue tmea, elle a été impurifiée. Dans ce cas-là, on va plus on peut plus continuer le korban. Alors, il va falloir les brûler. Et cette fois-ci, il va falloir les brûler où ? Nisrafin bevet abira. Il faut d'aller brûler à l'intérieur du Bet Amikdash. Ve'enan metamin bgadim, et ils ne véhiculeront plus l'impureté pour impurifier, souiller les vêtements. On explique un petit peu mieux de quoi on parle. Il y a des korbanot, et d'ailleurs, entre parenthèses, on avait une vieille dette avec cette Mishnah, qu'on avait déjà évoqué le sujet, qu'il fallait les brûler bevet adeshen. On a vu fréquemment qu'il faut les brûler, Nisrafin bevet adeshen. Il faut les brûler à l'endroit où on brûle tous les korbanot. Et lorsqu'on avait déjà vu la Mishnah là-bas, le Tosot Yom Tov nous disait « Va voir plus loin dans Perikut Bet Mishnah He et tu vas comprendre exactement où il faut brûler. » Donc ça y est, on arrive au grand rendez-vous, on va comprendre comment ça se passe. Il y a dans certaines situations où il faut brûler les korbanot. D'accord ? Il y a eu, parce qu'il y a eu un problème pendant le service du korban, ça a été impurifié, toutes sortes de problèmes qui ont pu se passer. Donc il va falloir brûler le korban. Où le brûler ? Alors la Mishnah va nous enseigner en fait qu'il y a trois endroits où on peut le brûler. Dans la Hazara même dans l'enceinte du Beth Amikdash, là-bas où il y avait la Hazara, le Mizbeach, il y avait aussi un lieu où on brûlait les korbanot ratés.
dans le, pour ne pas les sortir pour rien. Il y avait ensuite, même lorsqu'on avait passé les parois, les remparts de la Hazara, on était encore dans le Harabait. Harabait, c'est encore la paroi, c'est encore le, on est encore dans l'enceinte du Beth Amikdash malgré tout. Tout ça s'appelle la Bira en réalité. La Bira ou le palais royal. Donc on est encore dans Harabait. Il faudra le brûler là-bas de nouveau si c'est impurifié. Lorsqu'on rencontre qu'on a fait un korban comme il se doit, mais que la Torah nous dit va le brûler bébé à Deshen, la Torah elle est insistante en nous disant Vesara photo el michus la machane. À l'extérieur du campement, c'est-à-dire lorsque le Ham Israël était dans le désert, il se déplaçait en campement, il y avait trois machanot, machane Shrina, machane Leviya et machane Israël, et la Torah nous dit el michus la machane, à l'extérieur complètement. Rapporté à Yerushalayim, ça implique en dehors de la Hazara, en dehors du Harabait et en dehors de Yerushalayim, donc tu dois le sortir en dehors de Yerushalayim. Là-bas, c'était le Beth HaDeshen. Ça, ouais, le lieu où ça se dit un crématorium pour des animaux, je sais pas. En tout cas, le lieu où on crame tout, on brûle tout. Tout ce qui a été raté. Tout ce que la Torah a prescrit de le brûler. Mais ça, c'est que pour les korbanot qui ont été parfaitement offerts. On a fait leur avoda comme il se doit. Donc la Torah nous a dit, maintenant tu vas le brûler, mais El Michot Salam Machane. Et la Torah nous a dit, sachez que celui qui va le brûler véhicule une impureté au point même d'impurifier les vêtements. Il y a différents niveaux d'impureté. Parfois on peut être impur sans rendre impur les vêtements que l'on porte. Parfois on va rendre impur les vêtements que l'on porte, mais pas d'autres vêtements qu'on touche. Et là, pour cette impureté spécialement, il va rendre impur celui qui va le brûler. Alors il va rendre impur même les objets qu'il est en train de toucher. Si au moment où il est en train de brûler là-bas le corban, avec sa main en train de retourner le corban pour qu'il brûle mieux, il touche ce livre par exemple, eh bien il va rendre impur le livre. D'accord ? Ça veut dire, d'accord, ça c'est lorsque c'est offert comme il se doit. On apprendra dans la prochaine Mishnah précisément à quel moment il véhicule l'impureté, ce sera l'objet de la prochaine Mishnah, on le verra à Bezrat Hashem. Pour le moment donc, la Mishnah elle nous enseigne, sache que c'est à la chose particulière de brûler à l'extérieur du machané et de rendre impur les vêtements, c'est que lorsque le korban a été offert, comme la halakha le prescrit, comme la Torah le dit, et ensuite tu l'as amené à la fin pour accomplir la mitzvah comme il se doit, dans ce cas-là, tu as vécu l'impureté, tu dois le faire en dehors des trois machanot. Tandis que si le korban, il a eu un bug en plein milieu, pendant que tu étais en train de le faire, il y a eu un problème qui s'est passé, cette fois-ci, alors là, il faudra le brûler, mais ce ne sera plus la peine de sortir les bêtes à Deshen, à four. Il ne faudra pas sortir le corban, tu le brûles sur place. Là où tu es, tu es encore dans l'Azara, tu brûles dans l'Azara. Tu es arrivé dans le Harabait, alors tu le fais dans le Harabait, aussi dans le monde du temple. D'accord ? Mais tu ne vas pas sortir à l'extérieur. Et dans ce cas-là, cette combustion ne va plus rendre impure la personne. Ouais. Ve'enan metamin begadim. Et donc, ils ne vont plus rendre impurs les vêtements aussi. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. On a fini la Mishnah. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha. Kol Tov Salam.